Nous sommes à Chalette-sur-Loing, on est accueillis par la ville pour une opération du SPRO, Service Public Régional de l'Orientation, destinée à apporter de l'information jeunesse à des jeunes 14-30 ans. L'objectif du jour, c'est effectivement de faire un événementiel autour du jeu vidéo pour faire venir les capter et faire en sorte de toucher un maximum de jeunes, des jeunes qui sont scolaires, déscolarisés, sans solution éventuellement, ou des jeunes qui chercheraient tout simplement à avoir de l'information. Nous, on est le service orientation de la région Centre-Val-de-Loire, donc on est un des partenaires présents aujourd'hui sur le Game Info Jeunesse à Chalette. Et donc on est là pour présenter tous les outils d'aide à l'information sur les métiers et les formations que l'on porte au niveau du conseil régional. Et donc on a les fameux casques de réalité virtuelle, donc dans lesquels on peut visionner des vidéos d'environnement professionnel en 360 degrés. Donc ça permet vraiment de s'immerger dans un environnement professionnel et d'aller découvrir par des témoignages de professionnels différents métiers en lien avec ces environnements de travail. Aujourd'hui, le but étant de réunir, on va dire, réinsertion, on va dire, pour les personnes qui sont en difficulté sur la réinsertion scolaire ou dans l'emploi, et d'apporter une petite dose de récompense, entre guillemets, d'être venu, de s'être informé aussi, puis de s'amuser ensemble et puis de partager des bons moments. Donc l'idée, c'était de réunir ces deux projets-là. Donc c'est pour ça qu'on est ici, on a ramené les consoles, les écrans pour que chacun puisse s'amuser. On a tout type de jeux, donc on a du FIFA, du Super Smash Bros, du Mario Kart, etc. Pour découvrir, parce que moi j'étais jamais venu à quelque chose comme ça.